C'est Jean-Claude Levasseur. Je suis né à Saint-Angèle-de-Laval, face à Trois-Rivières. J'ai travaillé dans une manufacture de boissons gazeuses. Et puis, après ça, ben, ça a été. J'ai travaillé à Nicolette, j'ai travaillé à Trois-Rivières, dans l'alcool. J'ai fait tous les jobs. Livraison à l'intérieur, l'embouteillage. J'ai même fait de la menuiserie aussi, déjà, à l'endroit où je travaillais. Parce qu'ils savaient que j'avais un cours en menuiserie et qu'il y avait quelque chose à réparer. Fait que c'est moi qui faisais ça. Mais il y avait des outils, il y avait un petit atelier, là, mais je veux dire, on n'était pas vraiment équipé là, comme une shop. Ouais, j'ai fait de la livraison à Saint-Angèle, j'en ai fait à Trois-Rivières. J'ai travaillé comme helper, j'ai travaillé comme vendeur à des endroits où des fois un vendeur était en vacances. Ça prenait un remplaçant. Fait que souvent, c'est moi qui allais. Vous avez commencé par collectionner des objets ou vous avez commencé par fabriquer des maquettes? C'est plus fabriquer des maquettes. Oui. Puis ça, on remonte à combien d'années? Ah, mon Dieu. Ben là, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, je faisais des petites tabernes d'oiseaux, des petites choses de même, là. Je faisais toutes sortes de petites choses. Mais plus tard, après ça, là, quand j'ai suivi un cours à l'École des métiers de Trois-Rivières, c'est là que j'en ai appris le plus. J'ai appris la construction des maisons, j'ai appris comment servir les machines, tu sais, en tout cas, toutes les machineries que ça prend, là. Fait que, ah oui, j'en ai appris beaucoup, là. Ça m'a aidé beaucoup pour après, pour fabriquer des choses, comme la forge. Moi, je connaissais pas ça, la forge. Je n'avais jamais fait ça. Fait que le professeur, il nous avait dit, là, il dit, vous avez un morceau de métal, là. Il dit, je m'en vais vous faire un morceau. Puis il dit, après ça, vous allez vous en faire un. Pareil. Bon, ben, c'est correct. Fait que c'est ça. Fait que là, tout le monde s'en faisait un. Fait qu'on a entendu me retoucher pas mal. Et puis moi, ben, j'ai fait le mien. Et puis, après ça, quand j'ai fini le mien, il m'a montré au professeur. Il dit, non, non, non. Il dit, toi, là, il dit, tu vas remettre le modèle que j'ai fait tantôt. Il dit, va remettre ça là-bas, là. Il dit, c'est pas toi qui l'as fait, ça. Il dit, oui, c'est moi. Les gars, ils savaient, ils m'ont vu faire. Puis, ben, en tout cas, là, j'étais content d'être ça, moi. Ben, il a fait des coques sur son modèle, sans mêle. Il dit, en tout cas, s'il y en a un qui veut faire la même chose que moi, puis je veux faire à croire que c'est lui qui l'a fait, puis c'est pas lui, là. Mais le mien, c'est celle-là. Bon, c'est bien. Non, c'était intéressant parce que j'étais là pour apprendre. Hein. Puis même en plus, on avait des cours qui, à toutes les semaines, de dessin industriel. Ça, il s'agissait, il nous expliquait comment travailler, comment faire des plans, comment se servir des instruments pour le dessin, là, les équerres, puis tout, là, les 45, 30, là, on a fait le même, là. Puis, en tout cas, puis on avait notre table à dessin avec toutes nos feuilles, puis il fallait dessiner à l'échelle, ou en tout cas, pour fabriquer, fallait faire le dessin avant. Donc, on peut dire que c'est à l'école que vous avez découvert la passion de faire des maquettes. Oui. Quand vous avez commencé à travailler pour la compagnie de liqueurs, Oui. vous avez quand même trouvé du temps pour fabriquer des maquettes chez vous. Oui, ah oui. Vous avez commencé par quoi? Ah mon Dieu, j'ai commencé par c'est le radisson, je pense. La réduction. Le radisson de traversée qu'on avait à Trois-Rivières-Saint-Angèle. Le radisson, moi, c'était mon préféré dans les traversées qu'il y avait à Trois-Rivières. Fait que j'ai réussi à avoir le plan. Mais c'est mon père qui était cherché. Il était voir le gérant de la traversée, puis j'ai demandé le plan. Puis j'arrive chez nous avec ça. Et je savais comment faire parce que, tu sais, pour le dessiner. Fait qu'un coup qui est dessiné, après ça, c'est facile de le faire. Hein? Les mesures, ben, je les savais. Longueur, largeur, hauteur, tu sais, ça, je savais tout ça. Mais le restant, il y avait des choses que je ne savais pas. Mais fallait rien, au moins j'ai appris ça, puis ça m'a aidé beaucoup à faire Oui. les maquettes. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait la radisson parce que c'était mon préféré. Puis un coup fait, mais j'ai dit, pourquoi que je ne ferais pas de la violette? C'est une bonne idée, ça. Fait que je savais la longueur, la largeur, tout ça, j'avais tous les détails de ça pour les mesures. Fait que j'ai fait de la violette. Puis après ça, j'ai dit, ils m'ont fait le Trois-Rivières.
Ça a été les trois derniers traversiers qu'il y a eu à Trois-Rivières. Donc, j'ai fait la Trois-Rivières. Et puis, un peu plus tard, ben, j'ai fait les autres, les anciens, l'avant, là, comme le Laverandry, le Laval, toutes ces choses-là, tous ces bateaux-là qu'on a eus. Ben, moi, je ne les ai pas connus parce que d'avant moi, ça. Mais au moins, avec des images, puis des plans, puis des. En tout cas, là, j'ai réussi à faire tout ça. Je les ai tout fait, en fin de compte, au complet. La première, je l'ai faite sur la table chez nous. Et puis, un peu plus tard, ben, là, je me suis acheté une table à dessin, puis j'ai continué à faire d'autres choses, d'autres plans. Puis. Le pont de Québec, j'ai tellement trouvé beau ce pont-là, intéressant, puis j'avais de l'histoire dans ça, ce pont-là, les tragédies qui étaient arrivées. Mais, tu sais, j'ai dit, il faudrait bien que j'essaye de le faire. Alors là, ça a été compliqué, parce que là, t'as pas de plan, faut que tu le fasses ton plan, là. Ça me prenait des mesures, puis un coup que j'ai eu mes mesures, hauteur, largeur, longueur, puis tous les petits détails. Là, j'ai commencé à faire mes plans. Il fallait que je pense comme il faut, comment faire, comment m'y prendre pour le fabriquer. Alors, il faut partir par la base, hein, tout le temps. Et puis après ça, ben, d'un coup que la base est faite, ben, il y a l'intérieur, puis tout un paquet de choses. Il y avait des rails de chemin de fer, ce bateau-là. Hein. Oui, il y avait deux rails de chemin de fer. Parce que ça, c'était un pont qui appartenait à Canadien National. Et puis, bon, en tout cas, il fallait que je fasse tous les petits détails. Alors, il était d'ouvrage à faire, le pont de Québec, mais le Trois-Rivières était plus difficile à faire. Vous avez monté le pont de la Violette aussi, en quelle année? En 67, à peu près. À Trois-Rivières, il y a un pont où ils traversent les garçons. Quand ils veulent le traverser, ils choisissent pas la journée. Ils s'en vont à Trois-Rivières pour prendre un petit verre de bière. Les filles attendent les garçons pour y traverser le pont. Les filles attendent les garçons pour y traverser le pont. Les petites filles parlons-en donc, les petites filles parlons-en donc. Ils attendent leur de raison pour y traverser le pont. Ils ont tout le cœur en fête quand ils traversent la rivière. Ils attendent des petits garçons pour y traverser le pont. Ils attendent des petits garçons pour y traverser le pont. Les grandes filles parlons-en donc, les grandes filles parlons-en donc. Ils ont aussi comme de raison, ils veulent traverser le pont pour danser aux Trois-Rivières au son d'un orchestre populaire. Elles attendent les garçons pour y traverser le pont. Elles attendent les garçons. On voit le pont La Violette, les traversiers y ont arrêté. Je me sens que c'est ça, c'était en 67. Avant la réalisation de ce pont-là, il est arrivé la chanson de monsieur... Monsieur Oscar Tifaut, oui. Que vous avez connu? Ben oui, que j'ai connu, il est déjà venu ici. Puis, puis lui, là, Monsieur Oscar Tifaut, c'était important pour lui de composer une chanson là-dessus. Mais lui, il appelait pas ça le pont de la Violette, le pont de Trois-Rivières, c'est ça. Et suite à la chanson d'Oscar Tifaut, vous êtes aussi un collectionneur. Et vous avez acheté à un moment donné un jukebox. Oui. OK. Oui. Et une de vos recherches parmi les disques qui ont été mis à l'intérieur, c'était justement la chanson de Oscar Tifaut. Oscar Tifaut, oui, oui, il était encore dedans. L'église de Saint-Angèle, savez-vous vers quelle année ça a été bâti? Ça, c'est en 1870. Moi, j'ai toujours remé mon église. Dans votre exposition, qu'est-ce qu'on a vu comme maquette? J'ai emporté la maquette de la guerre de Saint-Angèle, parce qu'il y avait une guerre à Saint-Angèle, mais en ligne avec la rue qui s'en va au bout du quai, là, et à travers ça. Et que j'ai emporté ça, et ça a été, le monde aimait ça, hein, comprends, il connaissait tout ça. Fait que c'est ça, c'est tous des petits détails qui sont intéressants à parler. Ça nous permet de jaser de l'histoire. Oui. Ah, de oui. Ceux qui étaient là avant nous autres, puis oui. De ce qui a été bâti avant nous autres. C'est ça. Puis ça a toujours été important pour vous, l'histoire. Oui, oui, ah oui. Est-ce que chez vous, il y en avait d'autres membres de la famille qui s'intéressaient à l'histoire ou...
Vous étiez pas mal le seul? Je pense que j'étais pas mal. Il y a peut-être ma soeur qui en savait un peu, mais moi, je la connaissais plus qu'elle. Mon père ne me parlait pas de ça, puis ma mère non plus, puis les autres non plus. Non, j'étais comme... J'aimais ça, puis je voulais en parler de ce que j'aimais. Fait que c'était ça. Parce que quand on bâtit quelque chose et qu'on fait des recherches pour le bâtir le plus fidèlement possible, on s'intéresse à l'histoire. C'est ça. Parmi vos collections, vous avez différents objets au sous-sol. Parlez-moi de ces objets-là. Oui, c'est peut-être mieux de descendre en bas. OK. On va allumer celle-là pareil, là. De toute façon, ça noire. Hein. Ah, j'ai encore des DVD de ça. Oui, ah oui, c'est drôle, ça. Chewbac, gramophone, des affaires que je tiens à conserver. Hein. Gramophone, oui. En 1907, à peu près. Ça vient d'où, ça? Ça vient de Saint-Angèle. C'est un monsieur qui était un autochtone, mais j'étais bien ami avec lui. Puis moi, quand je restais à Saint-Angèle, on se tenait ensemble, on faisait toutes sortes de choses. Puis, à un moment donné, lui, il avait deux enfants, puis les enfants étaient toujours dans la chaîne, puis ce gramophone-là, là, il n'avait pas le cornet, il avait juste la boîte en dessous. Puis, les enfants embarquaient debout de ça. Puis là, ben, ils se tournaient, puis il y avait du fun, puis, mais c'est le ressort, il s'est dégrafé en dedans. Fait que, ouais, ben là, j'étais plus capable de craquer. J'avais même pas de manivelle. Fait que je l'ai tout réparé. J'ai tout démonté le moteur, puis le ressort, puis tout agrafé ça, puis tout a recommencé. Je l'ai réparé, il y avait des morceaux qui manquaient. Il fallait que je fasse souder des morceaux. J'ai même soudé moi-même, parce que j'avais fait un stage en soudure. Fait que, tu sais, c'est... Il marche encore. Parce qu'il faut, c'était peut-être dans l'eau. Et peut-être dans celui-là. Ça, on le doit faire oui. Ah, il est ici. Allez. Ah oui. Il est ici. Bon, on va enlever l'autre. Le futur pont de Trois-Rivières. C'est ça le problème, il faut craquer. Ça ne dure pas longtemps, hein? Non, pas tellement. Je ne sais pas si ça dure le temps d'un disque. Des fois, on est capable pour deux, trois, mais... Ah oui? Faut pas craquer trop non plus. En tout cas, on va l'essayer de même, il devrait être bon. Les 78 tours sont tous ici. C'est tous des albums. C'est comme des cartables. Là. Tu rentres tes disques dans ça. Puis. Les anciens disques, là, les anciens succès. Je les ai pas tous, parce que un vrai collectionneur, il y en a bien plus que ça. Là, on a un hublot en arrière du gramophone. Oui. J'ai même une lumière dedans que j'ai installée. Ah, c'est un hublot-là. Premièrement, c'est pas un hublot que. C'est un hublot que quelqu'un a trouvé. Un de mes amis qui avait ça. Parce que lui, il installait des portes et fenêtres, puis un peu toutes sortes de choses, toutes sortes de réparations. Puis à un moment donné, il arrive chez une madame, puis en tout cas, elle avait ça chez eux. Et qu'il demande, il dit, est-ce qu'il est à vendre le hublot? Elle dit, apportez-le, elle dit, ça va me débarrasser, elle dit, c'était cette année de le voir ici. Fait que, bon, mais coudonc. Là, vous avez collectionné aussi des licences. Oh oui, puis j'en avais bien plus que ça avant. À un moment donné, j'étais tanné. Je suis tout débarrassé de ça. J'en ai gardé juste quelques-unes. J'ai eu des. Vous l'avez fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait. J'ai eu d'un de mes amis des photos et explications sur cet avion-là. Ah oui?
Ouais. Il y avait un petit aéroport à Trois-Rivières, mm-hmm. au Cap de la Madeleine. Oui. Et puis, c'est ça, là, j'ai eu des... Ce qui est la rue de l'aviation. Oui, c'est ça, dans ce coin-là. Là. Et puis, l'histoire m'intéressait beaucoup de cet avion-là. Fait que j'ai eu des photos de cet avion-là, et puis j'ai fait mon plan, puis j'ai fait l'avion. Ah, ouais, le petit drouet. Oui, c'est ça. C'est mon père qui a eu ça quand il était jeune. Après ça, c'est moi qui l'ai eu. Après ça, c'était mon gars. Fait trois générations. Là, si vous me résumez là, ce que vous avez fait durant votre vie, les maquettes et tout ça, ouais. Ça vous a apporté quand même beaucoup? Bien, je veux dire, c'était comme l'histoire là, de chaque chose que je faisais. J'ai tellement d'affaires ici là, que. J'ai tellement de choses de faites hein, qu'à un moment donné, je perds le contrôle, là, je ne sais plus où ce qu'on est rendu. Puis il y a des boulangeries des haies, c'est en arrière, là, avec des maquettes de pour livrer le pain avec un cheval. Il y en a un qui est pour l'été, puis l'autre c'est pour l'hiver. Mais l'hiver, ils ne sont pas servis bien, bien longtemps pour l'hiver, pour le traîneau. C'était plus avec les roues. Oui, ah, c'était des bons souvenirs, ça. La boulangerie des Saint-Angèle. Mais en tout cas, moi, je suis bien content d'avoir fait ce que j'aimais faire, que j'étais capable de faire. Puis, c'est des souvenirs qu'on n'oubliera pas.